Père Céleste, nous voulons te dire merci de nous avoir amenés à cette session. Nous demandons, Seigneur, que tu parles à chaque cœur et que tu nous prépares, Seigneur, de plus en plus jusqu'à ce que chacun de nous soit prêt si le Seigneur doit venir. Nous bénissons ton nom pour nous avoir entendus. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Nous lisons maintenant dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Chapitre 5, le verset 1. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 1. Nous considérons le message. Veillez lorsque les autres dorment. Le monde en général dort. Ils sont inconscients. Ils ne connaissent pas les signes et les moments. Et comme le monde est dormant, l'Église doit être veillante afin que l'Église soit en train de veiller. Et lorsque nous parlons de l'Église, il y a l'Église invisible. Jésus-Christ en a parlé. Et qui est comme le filet qui est envoyé dans la mer et qui rassemble beaucoup de poissons. Et comme le filet est amené au bord de la rive, il examine tout et en fait la séparation. Il retourne certains de ces poissons dans la mer, et les bons poissons sont mis de côté et le pêcheur les emporte chez lui. Ceci démontre que tous les poissons bons et mauvais sont faits sortir de l'océan. Ça, c'est l'Église invisible. Mais l'Église, dans l'Église large, c'est l'Église invisible. Ça, c'est le vrai corps du Christ. Ce sont ceux qui connaissent que Christ est mort pour eux. Et ils vivent en espérance de la venue du Christ. Cette Église est veillante. Mais l'Église large est dormante. Veillez quand ou lorsque les autres dorment. Les gens appartenant à la même congrégation, il y a beaucoup de gens dans la même congrégation et des fois, certains sont négligents, d'autres refusent de faire la différence. La congrégation, c'est une assemblée ouverte qui amène ou qui accepte beaucoup de gens. Et n'importe quelle personne, toutes sortes de personnes. Et ceux-là qui sont dans la congrégation, certains sont veillants, certains sont éveillés, certains sont en train de dormir. À la retraite, comme celle-ci qu'ils amènent ensemble, beaucoup de gens sont ici. Et de beaucoup de gens, de beaucoup de domaines de la vie, certains sont de vrais, authentiques croyants. D'autres sont des fossoyeurs. Ils sont des gens qui viennent seulement à la retraite. Ils augmentent le nombre que nous faisons ici. Certains sont en train de dormir, mais d'autres sont vraiment veillants et ils sont en éveil. La veillée, c'est vous qui devez décider si vous devez veiller ou non. Quelle assemblée voulez-vous appartenir? À quelle assemblée voulez-vous appartenir? Quelle portion de l'Église voulez-vous appartenir? Est-ce que c'est ceux qui veillent ou ceux qui dorment? Parce que si nous connaissons qu'il y a une partie qui dort et une partie qui est en éveil. Et avec ceci, nous comprenons alors dans 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Il y a des gens qui sont des écrivains, des auteurs. Il y a des gens qui sont des supposeurs, prédicateurs et enseignants qui nous disent que, avant que le Seigneur vienne, qu'il y aurait
un réveil puissant mondial qui va emmener tout le monde dans le royaume de Dieu et Christ va venir. Parce que l'église que Jésus doit venir emmener, selon ces gens-là, ce n'est pas une église petite. Jésus vient pour une église réveillée. Et plus que tout le monde entier serait amené dans cette église avant que Jésus ne vienne. Fausse prophétie. Jésus-Christ lui-même leur a donné la lumière. Jésus leur a dit que c'est eux, ils sont des menteurs. Que cela a été dit plusieurs fois. Que tel que les jours de Noé étaient, la minorité a été sauvée. Tel que le jour de Lot était, seulement la minorité a été sauvée. Et lorsque quelqu'un demande, est-ce qu'il y a un peu de gens qui seront sauvés? Et Jésus-Christ avait répondu à cette question, il dit, essayez vous-même, forcez-vous à entrer, parce que beaucoup essaieront d'entrer, mais ils ne seront pas en mesure. Voilà pourquoi la parole de Dieu est en train de nous rappeler que lorsqu'ils diront, ces écrivains, ces écrivains, ces auteurs, ces prophètes, ces enseignants, ces prédicateurs, ces faux prophètes, lorsqu'ils vont dire paix et pureté, alors la soudaine destruction viendra sur eux, comme l'enfantement surprend la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. C'est pourquoi ne dormons pas. Ne dormons donc point. Voilà, c'est cela. Nous devons veiller lorsque les autres dorment. C'est pourquoi ne dormons donc point comme les autres dorment. Mais veillons et soyons sobres. Veillez quand les autres dorment. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, verset 7, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés, les croyants, il ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut, le salut final par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Vous allez trouver dans ces différents versets, le mot veiller, le mot mort, le mot me dormir, j'allais dire. Regardez le verset 7. Cela parle du sommeil naturel. Nous dormons de nuit et nous travaillons de jour. Et lorsque le corps est fatigué, nous avons besoin du sommeil. Ça, c'est le sommeil naturel pour nous revigorer. Le verset 7. Il dit, ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, ils vont dans leur boîte de nuit et ils boivent et boivent et boivent. Boîte de nuit. On ne dit jamais boîte de jour. C'est toujours boîte de nuit parce que ça se passe de nuit. Vous êtes de vie. Vous êtes encore en vie. Vous êtes encore de jour. Nous ne parlons pas de la nuit. Ceci maintenant, nous ne parlons pas de la volonté physique. Nous parlons du spirituel. Vous n'êtes pas conscient des signes, des moments. Vous n'êtes pas conscient des signes des temps. Vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe autour de vous. La venue du Christ est très proche, imminente. Et vous ne pensez pas à ça. Ça ne vous dit rien. Vous allez de la vie comme la vie est pour toujours sur la terre. Le mariage peut finir pour demain. Vous n'êtes pas conscient. Tout peut finir tout à l'heure. Vous n'êtes pas conscient. Et vous ne pensez pas que vos plans peuvent tomber dans l'oubli. Tout d'un coup. Cela ne vous dit rien. Ça, c'est le sommeil spirituel. Voilà pourquoi il dit, ne devons pas dormir comme les autres dorment. Il dit que vous ne devez pas appartenir à ceux-là qui sont inconscients. Vous devez être vraiment conscient de ce qui vous entoure. Et être conscient de ce qui se passera, se passera. Si vous n'êtes pas prêt, cela vous prendra par surprise. Ne dormons pas. Ne dormons donc au point.
Veillons, écoutons l'Esprit qui parle. Écoutons ce que le Seigneur dit. Regardons les signes que le Seigneur nous montre. En ce moment, ne dormons point. Cela parle du sommeil spirituel. Il y a un autre. Ça, c'est le sommeil perpétuel. Et David a dormi avec ses pères. Et David s'endormit avec ses pères. Isaac s'endormit avec ses pères. Jéroboam s'endormit et a été rassemblé avec ses pères. Ça, c'est le sommeil perpétuel. Le sommeil perpétuel. Ça, c'est le sommeil qui amène les gens dans l'au-delà. Ils partent et ne reviennent plus jamais. C'est pour cela que la Bible parle de ceux qui dorment. Ils dorment dans le Christ. Ils savent dire qu'ils sont morts. Regardez le verset 10. Qui est mort pour nous, il parle de Christ, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Il dit que si nous mourons dans le Seigneur, nous dormons et nous serons avec lui. Si nous sommes vivants et il vient en ce moment pour l'enlèvement, nous sommes veillants, nous sommes en vie, nous allons partir avec lui. Que cela soit que nous appartenons à ceux qui vont mourir avant la venue du Seigneur, ça veut dire que nous dormons dans le Seigneur. Et lorsqu'il va venir, les morts ressusciteront premièrement. Et tous ceux-là qui sont parmi les morts, ils vont partir. Alors ceux qui seront en vie, qui seront vivants en ce moment, nous serons ensemble amenés avec lui dans les airs. Voilà pourquoi il parle de ceux qui dorment perpétuellement. Numéro 1. La mort, ou bien le sommeil spirituel, le sommeil naturel numéro 2, le sommeil spirituel numéro 3, le sommeil perpétuel dans la mort. Revenez au verset 1. Tout le passage parle de la venue du Christ. Mais pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il parle de la venue du Christ et il dit que à cause de la certitude, à cause de la prophétie, à cause de l'assurance que nous avons que Jésus va revenir, ne dormez pas, soyez veillants, veillez, soyez vigilants afin que ce jour ne vienne pas sur vous dans la surprise, parce que ça va venir sur les gens de ce monde dans la surprise et ils ne seront pas prêts, ils ne seront même pas au courant de ce qui se passera. Voilà pourquoi le Seigneur vous appelle et il m'appelle, chacun de nous ici présents, que nous devons veiller. Il nous appelle la vigilance, veiller lorsque les autres dorment. Nous allons considérer trois choses. Numéro 1, les guerriers. Les guerriers qui combattent avec la chair. Nous ne combattons pas avec la chair. Nous combattons avec les principautés et les puissances des ténèbres. Les soldats de Christ, en tant que des bons soldats de Christ, combattent. Nous sommes des combattants. Et s'il y a des combattants qui sont perdus à cause de ce qu'ils sont en train de combattre, à cause du sommeil charnel physique. Numéro 2, l'avertissement contre la mort, l'avertissement contre le sommeil égoïste et le sommeil égoïste. L'avertissement contre le sommeil égoïste. Vous êtes choisi, vous êtes commandé, vous êtes ordonné pour devenir la sécurité des autres. Et les autres dépendent de vous. Le Seigneur vous a donné la responsabilité. Mais vous devenez égoïste. Vous pensez à vous-même seulement. Un peu de fatigue. Un peu de fatigue. Un peu de tranquillité. Un peu de ceci. Vous dites que vous ne pouvez plus continuer. Et vous ne pensez pas à l'opportunité que le Seigneur vous a donnée. Et à cause de cet égoïsme, que le Seigneur condamne, vous allez et vous rentrez dans quelque chose de négatif qui se passe. Quelque chose qui enlève les gens de la vie du royaume. Et au lieu d'être là pour veiller sur les autres, vous laissez les autres se perdre. L'avertissement contre le sommeil condamné et égoïste, c'est cela.
L'avertissement contre le sommeil est condamné et égoïste. Numéro 3, la vigilance contre le sommeil négligent et spirituel. L'avertissement contre le sommeil négligent et spirituel. Vous ne faites pas ce qu'il faut faire au moment approprié. Vous devenez inconscient. Vous devenez oubliant. Vous vous oubliez vous-même. Et vous vivez dans le péché. Et vous dites qu'il n'y a plus rien à faire de jour pour la semaine ou pour le mois ou pour l'année. Vous vivez seulement de jour en jour. Et votre vie spirituelle est dormante. Vous allez ici et là, mais vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire. Il dit, veillez contre la négligence, la vigilance contre le sommeil négligent, le sommeil négligent et spirituel. Numéro 2. Numéro 1, alors, la perte des vaillants ou des guerriers à travers le sommeil charnel et pécheur. Éphésiens, nous allons lire chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous ne combattons pas, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas la lutte, ce n'est pas le combat, ce n'est pas la guerre contre la chair. Si vous dites que vous ne pouvez pas vous battre, votre ennemi, le diable est là. Vous dites que vous ne voulez pas vous battre, vous savez, l'ennemi est là. Vous combattez contre les principautés et les forces des ténèbres. Eux, ils sont là, ils combattent toujours. Ils cherchent toujours des gens à dévorer. Alors, si vous dormez, nous allons vous perdre en tant que guerrier de l'armée du Seigneur qui va se perdre. Car nous ne luttons pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà les personnalités contre lesquelles nous combattons. Voilà les personnalités, les gens, et voilà les dénominations de ceux-là, des systèmes que nous combattons. Il dit, c'est pour cela, le verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais, le jour de combat, le jour de conflit, le jour de contentieux, le jour où vous devez vous mettre dans les armures de Dieu dans ce mauvais jour pour combattre et vaincre. Et après avoir tout fait et tenir ferme après avoir tout surmonté, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la cuirasse de la justice et mettez-vous la chaussure à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez pas dessus tout, cela, le bouclier de la foi. Vous avez besoin de cela vous-même personnellement. La foi d'une autre personne ne pourra pas agit pour vous. La foi des guerriers de prière ne sera pas suffisante pour vous. La foi de vos pasteurs ne sera pas suffisante pour vous. Votre foi elle-même, vous devez avoir une foi personnelle avant d'être sauvé. Vous devez avoir une foi personnelle avant d'être sanctifié. Vous devez avoir une foi personnelle avant d'être baptisé et immergé dans le Saint-Esprit. Vous devez avoir une foi personnelle avant de pouvoir surmonter le tentateur. Vous devez avoir une foi personnelle avant d'être un vainqueur. Et plus que vainqueur, et au-delà de tout, prenez le bouclier de la foi qui vous permettra de pouvoir taire tous les traits enflammés du diable. Regardez ici. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si quelqu'un continue toujours de manifester la foi pour vous, et il dit, ne t'en fais pas, j'ai la foi pour toi. Il vous fait plus de mal que de bien. Il ne vous permet pas de découvrir les promesses de Dieu pour vous, vous-même. Il ne vous permet pas d'aller au trône de gloire, de grâce, par vous-même. Il ne vous permet pas d'aller vous-même, d'aller voir, de sentir la chaleur de jour. Il dit, oh, je suis toujours là pour toi. Il vous met dans une maison froide, dans une chambre froide. Et vous dites, restez là, je vais jeûner pour vous. Je vais prier pour vous. Je vais faire les travaux énergiques pour vous. Et vous êtes là, vous n'utilisez pas votre muscle, vos muscles spirituels. Vous êtes là, moribond. La personne vous tue. Parce que les tentations qui viendront sur votre voie et les difficultés qui viendront sur votre voie
et les choses que le diable va jeter à vous pour vous terrasser, cet homme, cette femme, le guerrier de prière ne sera pas là pour vous aider. Vous avez besoin de la foi personnelle pour tenir. Et vous devez vous armer des armes de Dieu vous-même. Comprenez-vous cela? Au-delà de tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Personne ne le fera pour vous. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous savez, tout le monde, ou toute la parole de Dieu, personne que l'autre peut connaître ne peut pas vous aider au temps où vous venez dans le jour de combat. C'est ce que vous avez lu pour vous-même qui vous aidera. La parole que vous avez entendue pour vous-même, la parole que vous avez crue pour vous-même, la parole que vous avez étudiée, que vous avez emmagasinée en vous, vous-même, c'est ça qui sera votre refuge au jour de la guerre. C'est la parole qui est en vous qui vous aidera en ce jour. S'il n'y a rien en vous, il n'y aura rien pour vous. C'est pourquoi il dit encore, priez, pour priez en tout temps. Et faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez, guerriers, veillez, soldats, veillez, croyants, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. Le verset 3. 2 Timothée 2, 3. Il y souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ça, c'est un croyant qu'on vient de parler ici. Ça veut dire quoi? Si vous êtes croyant, Christ est là. Vous êtes un croyant en Christ, vous devez souffrir. Vous devez endurer la difficulté, la dureté. Si quelqu'un est là à souffrir pour vous, à être le bouclier pour vous, toujours vous être... à être à vos côtés, souffrir pour vous, prier pour vous, chanter pour vous, vous ne comprendrez rien. Comment personnellement aller au front vous-même? Celui-là qui le fait pour vous, qui est en train de vous protéger et qui ne vous permet pas de prier pour vous-même, de lire la parole pour vous-même, de comprendre la parole pour vous-même, il est là. Il est résisté au diable vous-même, il est en train de vous tuer, il est en train de vous affaiblir. Alors, toi, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Guerrier, avez-vous entendu cela? Vous êtes un guerrier, vous êtes un soldat et vous êtes un militant dans le royaume de Dieu. Et quel que soit ce qui se passera, vous ne devez pas vous laisser emporter avec l'apparence de la vie de ce monde. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, il ne doit pas s'embrasser des affaires de la vie. Il vous a appelé pour être des guerriers, pour être des combattants. Alors, il dit, et l'athlète n'est pas couronné. Il dit, il n'est pas de soldat qui s'embrasse ainsi. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Nous sommes des guerriers. Et nous devons comprendre cela, que nous devons être veillants. Maintenant, il y a des guerriers qui dorment. Les armes à la main, ils dorment. Et ceux-là, ils rentrent toujours dans le danger. Et finalement, ils sont perdus. Je viens dans le livre des Juges, chapitre 16. Les guerriers perdus à travers le sommeil charnel et pécheur. Juges, chapitre 16. Le verset 19, vous connaissez l'histoire. Je veux lire ces deux versets pour vous seulement pour résumer. Et vous allez voir ce qui est arrivé à ce grand guerrier. En tout cas, vous savez, ce n'était pas un homme ordinaire. C'était numéro un dans tout le pays d'Israël en ce moment. Il était le juge du pays. Ce n'est pas comme un nouveau converti. Ce n'est pas comme quelqu'un qui est ignorant de ce qui doit se faire. Mais il est là, il n'est pas, il ne sait pas qu'il a des ennemis du pays. Il n'est pas ignorant de ce que les gens étaient en train de le chercher. Mais lui-même, il s'est mis dans leur gueule. Chapitre 16 de
le verset 16, comme elle, et elle le fit dormir, ça c'est charnel, et elle la fit dormir, ça c'est pécheur, et elle la fit dormir, ça c'est sensuel, et elle, Delila, l'a fait dormir sur ses genoux. Guerrier, qu'est-ce que tu fais là? Entre les bras d'une femme. Soldat, qu'est-ce que tu fais là? Entre les bras d'une fille. Croyant, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Où est-ce que tu es en train de dormir? Le sommeil naturel. Où est-ce que tu fais ton sommeil? Où est-ce que tu dors? Je vais la visiter. Tu t'oublies. Et tu es dans le territoire ennemi. Et le diable était en train de chercher un moment pareil depuis toujours, depuis longtemps. Et le jour des vacances, les temps de festivité, le temps où tout le monde oublie comment être sérieux, comment être sobre, avoir la pensée sobre. C'est le moment où il y a beaucoup de négligence. C'est le moment où il y a la vie charnelle. C'est le moment où, allons-y, oublions les règles. Oublions les restrictions et vivons, jouissons. Les gens disent, il doit y avoir un jour où vous devez être en vacances. Les vacances pour ne plus lire la Bible. Les vacances pour ne plus pour avoir la dévotion de la Bible. Les vacances pour ne plus prier. Les vacances pour cesser d'être sérieux un tout petit peu. Les vacances pour ne plus être vigilant. Ils disaient d'avoir un temps. Vous ne devez pas être toujours sérieux. Pourquoi? Ce n'est pas bon. Être toujours sérieux, toujours sobre, toujours pensant au ciel, toujours attentif, toujours cela. Vous êtes un fanatique si vous êtes ainsi. C'est leur parole ça, c'est leur propos. Ils disent, il doit avoir un temps, vous devez aller en congé. Et l'église, sensuelle. Samson a pris les congés et il est allé dormir. Il a laissé ses affaires, il a laissé sa responsabilité sur la terre d'Israël. Et il est allé sur la terre ennemie et il était en vacances. Samson, qu'est-ce que tu fais là? Vous savez, pasteur, il y a des fois où nous sommes fatigués et nous devons nous relaxer. Nous devons nous rafraîchir, nous devons nous reposer. Oui, lorsque vous êtes comme complètement déchiré des deux côtés, et c'est comme si vous allez être tué, vous allez être cassé en deux. Et avant de vous casser en deux, il faut vous relaxer un tout petit peu, rester assis, se coucher et regarder des films pour pouvoir se relaxer. Et seulement pour se relaxer un tout petit peu, il est en vacances. Vous ne pouvez pas combattre tous les jours, non? C'est ce qu'ils disent. Vous ne pouvez pas toujours combattre les autres, c'est ce qu'ils disent. Vous ne pouvez pas toujours être sérieux, c'est ce qu'ils disent. Vous ne pouvez pas être toujours au front, c'est ce qu'ils disent. Mais c'est ce qui est arrivé à cet homme. Et elle la fit dormir sur ses genoux et elle appela un homme. Et on lui rasa les 7 cheveux qui étaient sur sa tête. Ça veut dire quoi ici? Qu'est-ce que ça veut dire quoi le verset 12? Regardez ici, vous, hommes, vous allez vous coiffer et vous coiffez votre tête. On est habitué à cela maintenant. On parle de quelqu'un qui n'a jamais visité le salon de coiffure. Il n'est jamais allé voir un coiffeur pour se coiffer depuis qu'il était né. Et il est devenu adulte et il n'a jamais expérimenté cela. Mais malgré cela, aussi étrange que l'expérience fut, quelque chose qu'il n'a jamais eu à faire, il n'a même pas senti la touche de sa tête lorsque les cheveux étaient en train d'être touchés. Que cela soit tondeuse, lame ou ciseau, il était complètement endormi. Le Satan doit être l'auteur de ce sommeil. Delila doit avoir fait quelque chose parce que l'homme était à un lieu, un endroit interdit. Voilà le sort de sommeil qu'il a eu. Et après que les cheveux sont partis, on a commencé par l'affliger. Maintenant, il retrouvait le plaisir. Delila, qu'est-ce que tu fais là? Delila, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ce n'est pas bon. Hein? Il demandait encore le plaisir.
de Lila, pourquoi tu refuses là? Ce n'est pas bon, c'est terrible. L'homme était allé en vacances. Il était allé pour le plaisir. Il était allé pour la relaxation. Et Delila a commencé par l'affliger. Et sa force le laissa. Le guerrier qui était perdu à travers le sommeil spirituel ou le sommeil charnel, j'allais dire, le verset 20. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Est-ce que ce n'est pas la moquerie ça? Tu es fort, tu es fort. Lève-toi maintenant et démontre-nous ta force. Lorsque les Philistins sont là, viens et combat-les. Delila dit, les Philistins sont sur toi. Delila et les Philistins sont de la même tribu, même pays, même culture. Avec Delila, elle était une agente du diable, une agente des Philistins ou du moins. Vous ne saurez pas quand un agent peut venir vous voir. Nous vivons dans un monde dangereux. Un monde contaminé par le diable. Nous vivons dans une communauté, dans des communautés contaminées par le diable. Le monde dans lequel nous vivons est un monde complètement pourri. Et un agent peut être envoyé. Voici un agent qui a été envoyé, une agente envoyée. Et elle ne savait pas, elle savait comment faire pour que le guerrier puissant soit terrassé. Elle savait comment l'avoir. Elle a fait dormir sur ses genoux et elle a donné de l'argent. Elle était un agent et les Philistins lui ont promis de l'argent. Elle devait tout faire pour recevoir cet argent afin qu'elle devienne riche, qu'elle ne perde pas cet argent. Et il a pris la tête du juge d'Israël pour gagner de l'argent. Samson, les Philistins sont sur toi. Il se réveilla de ce sommeil. C'est trop tard, mon frère. C'est trop tard, Samson. C'est trop tard. Ton histoire est partie. Ta puissance s'est envolée. L'onction a disparu. Tout ce qui reste maintenant, tu peux secouer. Il n'y a plus rien là. Tu peux crier, mais il n'y a plus de puissance là. Tu peux écrire des écritures, écrire, mais il n'y a plus de puissance là. Tu peux faire du bruit, un tonneau vide. Il n'y a plus de puissance là. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte. C'est la puissance en toi qui fait l'œuvre. Il dit, je me lève, je m'en tirerai comme les autres fois. C'est ce qu'il a dit. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Dommage. Les Philistins le saisirent et lui crevaient les yeux. Il le fit descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Quel dommage. Le guerrier est devenu un prisonnier. Israël a perdu le guerrier. Israël a perdu leur leader. Israël a perdu le numéro un de la nation. Parce que l'homme a dormi sur les genoux, en un endroit mauvais, avec une personne mauvaise, et il s'est oublié. Et il a dormi, au moins il ne doit pas dormir. Avez-vous pensé à votre vie un instant? Les lieux que vous visitez, sans prier même, avant d'aller à ces lieux. Les gens que vous contactez, avec lesquels vous parlez, sans prier, et vous entrez en contact avec eux. Les gens qui deviennent tellement des compagnons vraiment faciles parce qu'ils savent ce qu'ils cherchent, ils se laissent pour vous. Et ils savent que ils vont vous avoir, ils auront un gros poisson et ils seront fiers de cela. Vous savez celui que j'ai dans ma poche maintenant? Vous savez qui est venu dans mon filet maintenant? Tu ne peux pas imaginer. Tu peux deviner, tu connais la personne qui a dormi avec moi la nuit dernière? J'ai tout fait et je l'ai eu. Il a vu ma nudité. La fille serait en train de parler avec ardeur, avec égoïsme, avec fierté. Je l'ai eu. Il se dit, homme de Dieu, je l'ai eu. Il a dit que je ne peux pas la voir. Et il a dit, qui est celui-là? Et elle mentionne le nom. Et l'autre dit, jamais. Celui-là, il est un homme de Dieu. Hein? Il est pasteur. Hein? Il est un guerrier. Hein? Il vient de cette église. Hein? Non, jamais. Mais la fille va rire et dire, tu sais celui que j'ai eu maintenant?
Je vais vous montrer, je vais te montrer cela. Je vais te montrer même sa photo. Hein? J'ai eu sa photo. La communication que nous avons eue, je l'ai enregistrée. Et ils vont mentionner le nom de la personne. On va dire, ah non, jamais, ne me dis pas cela. Ne me dis pas que tu l'as eu. Une femme dans la vie profonde, je te dis, ils se disent Marie, Marie seulement, Saint-Saint seulement, Saint-Saint. Je lui ai placé le piège et elle est tombée dedans et je lui ai fait l'affaire. Je l'ai eu. Je te dis, elle s'est oubliée même qu'elle était sœur. Elle a oublié leur doctrine. Elle a oublié leur Bible. Elle a oublié toutes les choses qu'elle a eu l'habitude de me dire. Parce que elle est venue en ce moment précis et je lui ai fait ça. Pas comme ça, elle est tombée dedans. Alors je dis, dis pro seulement et je vais rester avec toi, je vais rester avec toi. Je vais revenir dans ton église. Nous allons aller à cette église ensemble. En fait, tu vas m'amener même chez ton pasteur. Tu vas m'amener et tu vas m'amener là-bas. Ils veulent te gagner. Tu vas te perdre. Parce que toi-même, tu vas te dire, je vais les gagner pour Dieu. Afin que tais-toi là. Tu vas te perdre, ma soeur. Tu vas te perdre, mon frère. C'est ta vie qu'ils veulent détruire. À cause de cela, toi, tu serais perdu. Je prie que tu ne sois pas perdu au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Vous n'êtes pas avec moi? Je dis, vous ne serez pas perdu au nom de Jésus. Regardez 1 Samuel 24. 1 Samuel chapitre 24. Je lis là, le verset 2. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on veut lui dire, voici, David est dans le désert d'En Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers de bouc sauvage. Il arriva à l'épargne de brebis qui était près du chemin et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. L'histoire c'est quoi? Saul ou Saül était en train de chercher David. Mais Saül, c'est quoi? Tu dois penser à ce que tu fais, non? Numéro un, David, il n'est pas un citoyen ordinaire du pays, non? Il est un jeune homme, mais qui avait tué un lion. Pas lui-même. Tu dois craindre cet homme. Un homme qui a tué une ours. Pas lui-même. Tu dois craindre cet homme. Un homme qui est sorti lorsque Goliath était en train de défier tout le monde. Et même Saül ne pouvait pas se tenir devant David, Goliath. Et David est venu là, dit, qui es-tu? Je vais le tuer. Je vais le finir. Je vais finir avec lui. Cet homme qui a aidé, le Dieu qui m'a aidé, a tué le lion et l'ours. Il fera de même pour ce Philistin incirconcis. Je vais l'avoir et terminer sa vie pour la nation. Saül a vu cet homme et cela a été fait. Et toutes les femmes ont chanté à propos de cet homme qu'il a tué ses milliers et ses 10 millions, ses 10 000 et Saül n'a tué que 1000. Et Saül courait derrière cet homme. Je me dis que si Saül lui-même avait pensé un tout petit peu à cela, il n'allait pas le faire. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a pris 300 hommes de tout Israël et il est allé chercher 3000 hommes d'élite. Et il savait qu'il ne combattait pas contre un homme ordinaire. Mais il n'avait pas trop pensé à l'affaire avant de l'entreprendre. Alors il était parti et il est allé pour se régarer. Vous savez, lorsque vous allez et vous êtes devant un ennemi, un guerrier ennemi qui a de l'espérance que vous n'en avez, il a plus d'espérance. Vous n'avez jamais, Saül n'a jamais tué un lion, il n'a jamais tué une ours, il n'a jamais tué Goliath, mais l'autre, il a fait les trois. Vous voulez combattre qu'un tel homme et vous voulez dormir? Kai, vous ne pouvez pas dormir et il est allé dormir. Et on nous dit que David et ses hommes sont venus. Vous regardez le verset 4. Il arriva à des parcs de brebis et les gens de David, verset 5, lui second, lui dit, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te le semblera.
traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Hey. Il dormait profondément. Alors David avait coupé une portion de son manteau. Il est allé loin pour lui annoncer et lui montrer que voici Saül, regarde, le père, tu dors, partenaire, Abner, vous dormez, 3000 hommes, vous tous, vous dormez. J'étais là. David était allé là-bas. Aucun de ces 3000 hommes ne s'est réveillé pour sauver leur roi. Ils étaient tous dormants. Ils dormaient. Lorsque les autres dorment, ceux qui sont autour de toi sont là, dans l'église. Ceux qui doivent être en train de veiller, tout le monde dort. Et l'ennemi va venir. Et grâce à Dieu, David avait la crainte de Dieu. Sinon, il aurait fini avec lui. Il serait mort. Parce qu'il n'était pas conscient du danger de la guerre dans laquelle il était engagé. On nous dit au verset 12, Louis II, voici mon père, vois. Vois mon père, vois donc le pan de ton vêtement dans ma main. Ta vie était entre mes mains. Le grand guerrier, toute la nation t'a choisi pour que tu puisses aller devant eux pour avoir la guerre. Tu dois être le numéro un combattant de tout Israël. Guerrier numéro un, tu dormais. Et tu es allé, et tous ceux qui sont autour de toi aussi dormaient. Qui devaient veiller sur toi, ils dormaient. En tout cas, j'ai le pan de ton manteau entre mes mains. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Chapitre 26. Chapitre 26, le verset 4. Le verset 6, le verset 5, Louis II. Alors David se leva et vint au milieu où Saül était campé, et il vit la place où couchait Saül. Est-ce que vous êtes si sage, combattant contre l'ennemi? Voici Saül, un grand guerrier. Voici Saül, le numéro un dans le pays, dans la nation. Il combattait contre l'homme, et l'homme contre lequel il combattait, il était vraiment pointu dans la pensée, sage, vigilant, sur les qui-vivent à tout moment. Il surveillait ses pas. Il voyait ce qu'il faisait. Il voyait s'il était prêt ou proche ou non. Voyez-vous, si vous combattez contre un ennemi qui est vigilant, un diable est rusé, vous combattez contre des démons qui ont plus de l'expérience que vous dans ce monde, ils étaient avant que vous ne soyez nés. Ils connaissent le monde. Ils ont combattu beaucoup de combats. Et ils ont fait terrasser beaucoup de gens. Et vous voulez combattre contre ces gens et vous mener la vie simple comme sur des roses. Et vous ne pensez à rien. Ils sont dans le jeûne tous les jours. Depuis janvier jusqu'à maintenant, il y a certains parmi vous qui n'ont jamais jeûné. Vous voyez? Ils ouvrent la Bible seulement, ils lisent une portion de Bible, et vont dire au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Amen. Et ils sortent. Vous ne savez pas ce que vous cherchez même. Mais David, il passait de temps, des heures avec le Seigneur. Regardez le verset 7. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici, Saül était couché. Et qu'est-ce qui suit? Lisez-moi ça à haute voix. Je ne vous entends pas, s'il vous plaît. Et dormait au milieu du camp. Et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Ils étaient en train de dormir tous. Abner a dormi. Le général des armées a dormi. Saül a dormi, tous les autres capitaines ont dormi,
c'était dans la nuit. Et dit, ah, c'est la nuit, non? Qui sera en éveil dans la nuit? Ok, c'est pas grave. Mais il y a un homme qui est en éveil. David est en éveil la nuit. Mais je connais quelqu'un qui était en éveil la nuit, Abishai. Voilà des gens qui savent qu'ils sont en combat. Ils savent qu'ils sont dans les arènes pour aller contre l'ennemi. Ils savent que s'il nous attrape lorsque nous sommes en train de dormir, il ne nous laissera pas la vie. L'homme va nous tuer. Et l'onction que Saül avait déversée sur David serait oubliée. Parce que Saül va finir avec David s'il le voyait dormir. Voilà pourquoi il était toujours éveillé. Est-ce que vous avez un manteau de Dieu sur vous? Est-ce que vous avez un appel de Dieu sur votre vie? Vous avez un devoir que le Seigneur vous a accordé, vous a donné. Et le diable vous combat tous les jours. Et les démons vous combattent jour et nuit. Et vous vous combattez comme un homme ordinaire. Vous allez de la vie comme un homme ordinaire. Vous ne pensez à rien. Et vous dites que je suis un homme simple. Je suis un homme très gentil. En tout cas, vous savez, je peux même dire à quiconque dans ma vie, je n'ai peur de personne. Parce que j'aime tout le monde. Tout le monde m'aime. C'est cela. C'est parce que tu penses ça. Que tout le monde t'aime. Tu penses ça. Même les possédés t'aiment. C'est ce que tu penses ça. Les sorciers. Et tu penses qu'ils t'aiment, c'est ce que tu penses. Tout le monde m'aime, tout le monde m'aime. Est-ce que tout le monde aimait Jésus? Judas, aimait-il Jésus? Caïphe, aimait-il Jésus? Tous ces gens qui voulaient crucifier le Seigneur, est-ce qu'ils aimaient le Seigneur? Même ceux qu'il avait guéris et ceux qu'il avait délivrés, ils ont crié disant, crucifie-le. Est-ce que c'est eux tous qui l'ont suivi? Tout le monde m'aime, tout le monde m'aime, j'aime tout le monde. Est-ce que vous pensez ainsi? C'est ce que tu penses, ça? David veillait lorsque Saül dormait. Vous n'allez pas dormir. Je veux un grand amen. Vous n'allez pas dormir. Le diable là ne vous attrapera pas. Les démons ne vous auront pas. L'onction de Dieu sur votre vie restera là. Rien ne va l'arrêter au nom de Jésus. Mais vous savez, ce Saül maintenant, il dormait. Et on nous dit au verset 16, regardez cela, le verset 16. Maintenant, David leur renvoie la parole, il dit, ce que tu as fait là n'est pas bien. Il parlait à Abner, le général des armées. L'Éternel est vivant, vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur loin de l'Éternel. Regarde maintenant. Où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était à son chevet? Saül reconnut la voix de David et il dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et David répondit, c'est ma voix, ô roi, mon seigneur. Vous connaissez l'histoire. Ce que je veux dire, c'est ceci, que Saül dormait au moment non approprié. Bien qu'il avait tous ses soldats autour de lui, eux aussi ont dormi, mais vous devez savoir quelque chose. Est-ce que vous avez quelque chose de précieux pour vous? Est-ce que vous étiez vide? Est-ce que vous avez un trésor au juste? Avez-vous quelque chose d'important? Est-ce que la main de Dieu est sur votre vie? Est-ce que vous êtes appelé pour quelque chose de sérieux? Est-ce que vous devez accomplir quelque chose que aucune autre personne ne peut accomplir? Ne connaissez-vous pas que Satan est là? Ne savez-vous pas que les principautés sont là? Les puissances sont en train de vous surveiller, de voir lorsque vous serez négligent, ils vont venir pour frapper. Les choses vont changer. Je dis les choses vont changer. Vous serez veillant. Votre onction sera grande. Et personne ne fera de votre onction une pourriture au nom de Jésus. Ce soir, vous allez vous réveiller. Et lorsque le géant se réveille, tout ce qui s'appelle cheville ou quoi que ce soit, vont perdre de leur chemin et cette nuit vont fuir au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Éphésiens chapitre 5, le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Est-ce que vous êtes là?
Je ne sens pas que vous êtes présent. Est-ce que vous êtes là? Le Christ vous donnera la lumière. Il vous donnera le pouvoir. Il vous donnera la protection. Mais vous savez, vous devez être éveillé. Point numéro 2. L'avertissement contre le sommeil. L'avertissement contre le sommeil condamné et égoïste. Le sommeil condamné et égoïste. Avertissement contre le sommeil condamné et égoïste. Ésaïe 56, verset 10 et 11. Ésaïe 55, 10 et 11. Ses gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Il y a beaucoup de gens qui aiment sommeiller, aiment dormir, plus que de faire les responsabilités. Voilà des guerriers, des agents de sécurité qui dorment, les armes à la main, ils dorment, agents de sécurité. Ils sont là, des chiens qui ne peuvent pas aboyer, des chiens qui dorment. Ils sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie. Ça, c'est l'égoïsme qui est là, au verset 11. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Ça, c'est l'égoïsme, là. On fait de vous un surveillant, un agent de sécurité. Et le Seigneur vous donne le devoir de surveiller les autres. Vous devez surveiller des intérêts des autres, mais vous les transférez à vous-même. Ce n'est pas ce que le Seigneur vous a donné de faire. Et beaucoup de gens vous seront perdus. Nahum, chapitre 3. Nahum 3, 11. Vous savez que Nahum fait partie des prophètes mineurs dans l'Ancien Testament. Nahum, c'est après Michée. Vous trouvez Michée, vous trouvez Nahum. Quittez Jonas, allez à Michée, allez à Nahum. Et chapitre 3 de Nahum, nous lisons le verset 18. Après Nahum, vous avez Habakkuk. Chapitre 3, le verset 18 de Nahum. Il dit, verset 18, « Tes bergers sommeillent, roi d'Assyrie, tes bergers sommeillent, tes vaillants hommes reposent. Les bergers doivent veiller, mais ils dorment. Et à cause de ceux qui dorment, les vaillants aussi dans ce pays, aussi, ils vont mourir. Et le peuple est dispersé sur les montagnes et nul ne le rassemble. » Ça, c'est les conséquences de ces bergers dormants. Et le Seigneur nous fait comprendre. Il nous dit que nous sommes des guerriers. Nous sommes des sentinelles. Il dit que nous devons veiller. Ézéchiel chapitre 3. Si vous êtes un pasteur, vous êtes une sentinelle. Vous êtes un père sur vos enfants. Vous devez être une sentinelle. Si vous êtes une mère sur vos enfants, vous devez être une sentinelle. Une femme dans la maison, vous êtes une sentinelle pour votre mari. Mari sur votre femme, vous devez être une sentinelle. Enseignant sur les élèves, vous devez être une sentinelle. Dirigeant de cellule sur la cellule, vous devez être une sentinelle. Pasteur dans l'église locale, vous êtes une sentinelle. Si le sentinelle dort ou la sentinelle dort, il ne sait pas ce qui se passe autour des gens qui doivent surveiller. Ces gens vont rentrer dans le danger. Ézéchiel 3, verset 17. Verset 17, il dit, « Fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole de ma part qui se trouve de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai, ô méchant, tu mourras. » Attendez là, Ézéchiel, une sentinelle sur la maison d'Israël. Ézéchiel, une sentinelle sur la maison d'Israël. Dieu dit, moi, je t'ai fait sentinelle dans la vie au cours de la vie de Ézéchiel,
on pouvait voir des gens qui s'appelaient berger, pasteur, leader, prédicateur, prophète, mais le Seigneur ne les a pas choisis. Et Ézéchiel ne pouvait pas penser à ces gens, à cela pour dire, ah, vous savez, il y a les pasteurs, ils sont nombreux, les bergers sont nombreux, les veillants, les sentinelles sont nombreux, et puisque nous sommes nombreux, je vais faire mon peu et j'irai m'endormir. Ézéchiel, non, jamais tu ne peux pas le faire comme ça. Regarde cela. Le Seigneur ne l'a pas donné la parole. Il a dit, j'ai fait de toi sentinelle sur la maison d'Israël. Je n'ai pas fait des autres sentinelles. Il a dit à Ézéchiel précisément, en son temps, en sa période, dans sa durée. Il dit, Ézéchiel, en ce moment précis de ta vie, moi je fais de toi sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole de ma part. La parole qui sortira de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Tous les autres qui sont en train de dire, je suis ceci, je suis cela, le Seigneur dit, je ne les connais pas. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent dire. Mais toi tu écouteras de ma bouche la parole qui sortira et tu les avertiras de ma part. Personne. Les gens peuvent te dire, oh, fais attention, oh, va doucement. Pourquoi tu n'es pas le seul, non? Pourquoi tu es pressé comme ça? Vas-y doucement. Il y a beaucoup de sentinelles qui vont te dire cela. Il y a beaucoup de sentinelles. Qui sont les autres sentinelles? Comment tu sais qu'il y a d'autres sentinelles? Ézéchiel, lève-toi. Réveille-toi. Fais ton travail. Lorsque je dirai, le verset 18, au méchant, qu'il va mourir. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa méchante, de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, si tu avertis le méchant et ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il en mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Encore, Ézéchiel, tu sais quoi? Lorsque le juste se détourne de sa mauvaise, de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il en mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Son sang. Nous considérons Matthieu 13. Matthieu chapitre 13. Le verset 24. Matthieu chapitre 13. Le verset 24. Ici, c'est une parabole que Jésus avait dite. Et il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Il parle du prédicateur qui prêche la bonne doctrine, la saine doctrine, la doctrine biblique scripturaire. Il parle de vous, que Dieu vous a donné la responsabilité et grâce à Dieu, vous êtes fidèle à la parole. Grâce à Dieu, vous avez donné la parole et la parole appropriée. Mais regardez le verset 25. Mais pendant que les gens dorment, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Pendant que les gens dorment, pendant que les prédicateurs dorment, pendant que les pasteurs dorment, alors les ennemis sont venus. Ah, nous avons enseigné la vraie parole. Nous avons prêché la saine doctrine. Nous avons étudié cela ligne après ligne. Nous l'avons donné la parole. Nous avons lu à presque toute la Bible. Nous avons cité toutes les parties de la Bible. Et ils connaissent les 22 doctrines cardinaux.
les 22 doctrines cardinales de la Bible. Maintenant, nous pouvons nous reposer, être conscients. Vous ne pouvez plus vous déchirer. Vous ne pouvez plus vous mettre de pression sur vous. Vous pouvez aller dormir. Mais pendant que les gens dorment, et que les autres aussi, les supporters, les ouvriers, tout le monde est en train de dormir. Regardez tous les mois les programmes que nous avons. Regardez, multipliez les programmes que nous avons dans une année. Il n'y a même pas de temps pour nous. Regardez, tout le monde va dire, qui peut dire que nous n'avons rien fait? Je pense que nous allons nous reposer maintenant. Lorsque les gens dorment, l'ennemi est venu et il a semé de l'ivraie parmi le blé. Mais pendant que, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. La mauvaise semence aussi doit apparaître après. Vous êtes un pasteur et vous avez des ouvriers là. Pourquoi devons-nous avoir des ouvriers, la réunion des ouvriers tous les samedis? Vous savez, nous faisons trop, c'est trop. Les gens n'ont pas de temps. Les gens n'ont pas, ils ne sont plus ignorants. Les gens, ils connaissent déjà les Écritures et tout ce qu'ils ont eu pour ces réunions que nous avons eues, les programmes par-ci, par-là. Je crois que le samedi prochain, nous allons nous reposer. Le mardi prochain, il n'y a pas réunion des leaders. Tout le monde, reposez-vous. Nous avons entendu beaucoup déjà. L'ennemi est là. Ce n'est pas le moment des vacances. Ce n'est pas le moment de se reposer. Levez-vous et travaillez. Et avant que vous ne savez ce qui se passe, les livrets vont prendre trop de temps. Et le verset 27, regardez ce qu'il y a là. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a deux livrets? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Il n'y a pas des ennemis de l'évangile? Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas de faux prophètes dans le pays? Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas de faux docteurs dans le pays? Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas de Jézabel dans le pays? Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas des ennemis qui vont détruire la semence du Seigneur? Bien sûr. Lorsque les gens dorment, nous allons veiller à partir de ce jour. Et il dit, ils ont dit oui, c'est bon. Est-ce que nous allons aller maintenant? Et les arracher, il a répondu, et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, c'est trop tard. Vous n'avez pas découvert cela au moment jeune. Maintenant, c'est partout maintenant. Cette mauvaise idée est partout maintenant. Cette mauvaise écriture est partout maintenant. Les sorciers sont parmi les ouvriers même. Et ils sont là, tout peinards. Rien ne se passe. Les esprits familiers sont en train d'œuvrer sérieusement parmi l'église. Ceux qui sont dans la maison, ils sont des idées de cellules. Ils travaillent à la cuisine. Ils ont des esprits étrangers qui sont en eux. C'est trop tard. Ils sont là déjà. Et nous allons travailler pour le Seigneur. Il y a le Seigneur de sorcellerie parmi eux qui sont en train d'oppresser les autres, les gens dans l'église. Et vous ne pouvez pas parler. Et il dit, ils n'ont pas la même langue. Ils ont la même doctrine. Ils ont le même label, le même signe. Ils se publient partout. Et je fais partie d'eux. L'arracher maintenant va amener beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire. C'est pour cela, vous ne devez pas dormir. Vous n'allez pas dormir. Je dis, nous n'allons pas dormir. Voilà pourquoi nous devons être éveillés. Nous ne disons pas, nous n'allons pas dire que nous sommes fatigués. Qui est fatigué? Vous n'allez pas être fatigué. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme des aigles. Ils vont courir et ne se fatigueront point. C'est de qui je parle là? C'est de qui je parle? Je dis, vous allez courir, vous n'êtes pas fatigué. Vous allez travailler et vous n'allez pas tomber. Nous n'allons pas tomber. Ce n'est pas le moment de tomber, ce n'est pas le moment de faiblir parce que nous serons éveillés. Pensez à l'apôtre Paul. Regardez le grand travail qu'il a fait dans la province de Galatie. Galates chapitre 1, Galates 1, le verset 6.
Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Paul a été avec eux. Il leur a prêché de ligne après ligne, de précepte sur précepte. Il leur a expliqué la parole. Il était allé en vacances. Il était allé travailler dans un autre lieu. Il n'était pas allé en vacances, bien sûr. Il était allé travailler à un autre lieu. Lorsqu'il est revenu, il a vu autre chose. Un ennemi est venu et il a semé du livret parmi le blé, parmi eux. Et ils ont dit, ah, il dit, je m'étonne. Quand est-ce que vous avez écouté la parole? Quand est-ce que vous avez laissé maintenant? Quand est-ce que vous laissez pour aller prêcher là-bas? Et depuis, juste, je suis parti et vous êtes sorti de ce que vous avez cru pour aller à un autre évangile qui vous a bléhi, qui vous a trompé. Qui est celui-là qui est en train de faire cela? Et qui veut pervertir l'évangile de Christ? Non, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que ce que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète encore cette fois-ci à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit, comment? Anathème. Regardez chapitre 3, le verset 1. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Paul était parti et lorsqu'il est revenu vers eux, il a vu des choses terribles. Il a dit, ah, qu'est-ce que je vois? Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi ça? Dépourvu de sens, Galates, qui vous a fasciné, qui vous a encerclé pour vous demander de ne pas obéir à la vérité aux yeux de qui Jésus-Christ a été plein comme crucifié, peint comme crucifié. Le verset 3, il a dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous souffert tant de choses en vain? Si toutefois c'est en vain. Et il nous a dit au chapitre 4, le verset 14, il dit, et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Paul l'apôtre est en train de dire, je suis complètement abasourdi. Je ne sais plus ce que vous dire à propos de vous. À peine m'avez-vous idolâtrisé. Lorsque je vous parlais de la parole de Dieu et je vous expliquais les mystères du royaume, vous m'avez pris comme un ange. Vous m'avez pris comme Jésus lui-même. Mais vous idolâtrisez votre pasteur, votre apôtre, et les gens vous se moquaient de vous. Il n'est pas aussi grand comme vous le pensez. Vous idolâtrisez cet homme. Et l'apôtre Paul était surpris. Verset 15. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. C'est ce que vous m'avez pris si chèrement comme vous avez pris la parole. Ah, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas le pur. Lorsque les gens dorment, les autres sont venus, les ont infectés, mais pas du tout. Bon. Mais ils en veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Ils veulent vous faire détourner. Le verset 18, c'est une bonne chose. Il est beau d'avoir du zèle pour que tout ce qui est bien, il est bon d'être zélé pour ce qui est bien. Et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent avec vous, parmi vous, mes enfants, pour que j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous, échanger de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. L'ennemi est venu. Je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Lorsque les gens dorment,
L'ennemi est venu, la souillure est venue, et cela, il dit, je m'étonnerai. Je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Chapitre 5, le verset 7. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé ou de ce qui vous appelle. Les ennemis sont venus dedans et ils vous ont dit, ils vous ont pris comme les pasteurs, comme les dirigeants. Si vous allez dormir, les gens que vous devez surveiller et vous pensez que oh, ils sont bien, ils sont en bonne santé, tout va bien. Ils connaissent la vérité, ils connaissent ce qu'ils doivent faire. Personne ne va ne pas les confondre. Non, les gens de la vie profonde, ils connaissent la parole. Personne ne peut les tromper. Laissez-les à eux-mêmes. Ils connaissent la Bible. Pas de danger. Pensez-vous cela? Est-ce que vous l'avez enseigné plus que l'apôtre Paul avait enseigné les Galates? Lorsque les gens dorment, l'ennemi va venir. Vous êtes un père. Est-ce que vous suivez vos enfants? Ah, bien sûr, je leur ai acheté la parole, je leur ai acheté la Bible. Ils viennent, lorsqu'ils viennent en congé, ils vont. C'est eux qui dirigent la dévotion matinale, c'est eux qui conduisent la famille, la dévotion de la famille. Vous pensez ainsi que lorsqu'ils sont à l'école, ils mènent la vie de justice? Est-ce que vous pensez et vous laissez tout entre leurs mains? Mais est-ce que vous suivez vos enfants, votre fille, est-ce que vous la surveillez? Ah, j'ai foi à ma soeur, j'ai foi à ma fille. Vous serez surpris lorsque les gens dorment. Cette fille partira. L'ennemi va venir et va semer de l'ivraie. Le Seigneur vous aidera. Vous sortirez de votre négligence passée au nom de Jésus. À partir de ce jour, nous allons nous lever, nous allons travailler. Vous allez vous réveiller. Je dis, vous allez vous réveiller. Et vous allez veiller au nom de Jésus. Point numéro 3. La vigilance contre le sommeil négligent et spirituel. La vigilance contre le sommeil spirituel et négligent. Les deux, l'interchangeabilité est permis. Proverbe chapitre 10, le verset 5. Proverbe chapitre 10, le verset 5. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il y a des bénédictions. C'est le temps de la moisson. Et la moisson est grande. Mais les laborieux, les ouvriers sont peu. Maintenant, le Seigneur a mis la main sur vous. Père, sœur, frère, vous êtes un moissonneur, une moissonneuse. Vous ne devez pas aller dormir. Et vous allez laisser la moisson au nom de Jésus. Jérémie, chapitre 5. Jérémie, chapitre 5. Le Seigneur avait une controverse avec les enfants d'Israël. Chapitre 5, verset 24. Il dit, ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière saison et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Il nous a donné cette opportunité. Il y a de rêver dans notre église. Et vous faites partie de ce réveil. Tous les hommes, toutes les femmes, tous les jeunes, tous les enfants, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait dans l'église. En les temps de moisson, où le Seigneur nous a gracieusement donné beaucoup de choses. N'allez pas dormir en ce moment de la moisson. Vous allez vous réveiller et vous allez travailler. Vous allez rassembler les âmes. Je prie que votre récompense soit grande au nom de Jésus. Chapitre 52, verset 1. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveille-toi. Et réveille-toi de ton vêtement merveilleux. Zion, à partir de maintenant, il ne te serait pas dit, les inconscients ne viendront plus à toi. J'attends votre amen là. Secoue-toi de la poussière. Lève-toi et assois-toi au Jérusalem. Dégage-toi et casse les pans de ton vêtement, ô fille de Zion. Vous êtes libre à partir de cette nuit. Le verset 3. Quand ainsi parle le Seigneur, vous vous êtes vendu pour de rien et vous serez racheté pour de rien, sans argent.
que c'est merveilleux, que c'est merveilleux, et les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle et qui publient, qui amènent la bonne nouvelle et qui disent la bonne chose et qui publient le salut et qui disent à Zion, ton Dieu règne. Tes sentinelles lèveront les voix. Nous n'allons plus dormir. Le sommeil spirituel est terminé. Nous allons dormir, oui. Nous allons dormir au bon endroit, au moment approprié. Mais plus de sommeil vague au nom de Jésus. Et les sentinelles vont se lever. Ils vont parler de leur voix. Et ils verront de yeux personne. Il n'y aura plus de conflit, il n'y aura plus de contention, il n'y aura plus rien. De yeux en yeux, vis-à-vis, le Seigneur amènera encore le captif de Zion. Et il nous dit que nous devons faire ceci maintenant. Il dit, au verset 11, il dit, sortez, 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 sortez du milieu d'eux, ne touchez à rien de pur, sortez du milieu d'elle. Soyez séparés, soyez purs, vous qui portez les vases du Seigneur. Le réveil va venir sur votre âme. Toute léthargie spirituelle va disparaître au nom de Jésus. Et tout ce que vous avez perdu au moment où vous dormiez, de grands trésors que vous avez perdus, le Seigneur vous les restaurera à chacun de nous. Il le fera au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 34. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 34. La Bible dit, revenez à vous-même, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Revenez à vous-même. Celui qui espère l'Éternel va renouveler sa force. Le renouvellement vient dans la vie de quelqu'un maintenant même. La puissance vient dans votre vie au nom de Jésus. Tout ce que vous avez perdu, c'est le jour du recouvrement. Où est-ce que vous êtes? Je dis, où est-ce que vous êtes? Levez-vous maintenant et recouvrez. Recouvrez ce que vous avez perdu. Levez-vous, levez-vous. Et réveillez-vous. Le Seigneur vous appelle. Nous avons dormi trop. Nous avons trop dormi. Vous êtes trop allé en vacances. Vous étiez en train de sommeiller il y a longtemps. Vous ronfrez même en esprit. Levez-vous maintenant et dites à Dieu, assez c'est assez. Me voici, je ne dormirai plus. Je ne vais plus ronfler. Je suis en éveil. Je suis en éveil. Je veux que tu me réveilles, Seigneur. Et tout ce que j'ai perdu spirituellement, retourne-moi ces choses. Guerrier, levez-vous. Soldats de Christ, réveillez-vous. Croyants, moissonneurs, moissonneuses, levez-vous. Réveillez-vous. Et le Seigneur lui-même vous aidera. Et il le fera tel qu'il a dit. Il vous donnera la restauration complète et totale.